Yo tout le monde, c'est Kilara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup encore sur téléphone mobile. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce jeu-là, j'avais un petit peu oublié en fait, c'était Love Adam. Et en fait, on était au chapitre 4, on n'avait pas fait la suite, donc bon, on va attendre le lendemain. Je pense que j'ai suffisamment attendu, je peux jouer tout de suite du coup, voilà. Donc on va faire la suite. Alors par contre, on en était où? Je me souviens même plus. De toute façon, je vous mets les petits épisodes et c'était juste ici. Il y a un petit i qui va apparaître à l'écran. Vous cliquez dessus si vous voulez regarder l'épisode 1. Donc, celui qui ira, j'aurais besoin de chocolat. Tu peux en acheter en rentrant. Ah oui, c'est bon, je me souviens. On était une fille qui était genre un peu amoureux d'un autre mec. Il y avait notre sœur en parallèle et tout. Si, ça me revient. Je suis au cinéma, tout va être fermé en sortant. Réponds. Je suis au cinéma, Anna, désolé, je ne peux pas aller au magasin. Je veux dire, désolé, je peux pas y aller. Et puis, c'est tout. C'est comme ça et pas autrement. Elle va m'engueuler. Comment ça se fait que tu peux pas aller m'en acheter? Ah mais ouais, c'est vrai, j'avais oublié de t'asseoir au cinéma, ça se passe bien? Bon, ça va. Tu vas voir un film d'anime, non? Non, un trailer. Choix bloqué. Vous n'allez pas voir le film d'animation. Ah merde, parce que j'ai pas dit que j'allais au cinéma, je vais pas voir le film d'animation. C'est pas grave. J'aime pas les films d'animation. Que très peu. Je vais pas mentir, que très peu. Non, je t'avais parlé d'un trailer. Ah ouais? Ça sera très bien. Je me souviens maintenant. J'aurais dû venir avec toi, tu sais que j'aime bien trop ce genre de film. Vu que c'est un trailer, j'imagine que Todd n'a pas voulu accompagner Zoé. Zoé ne lui a même pas demandé. Tu as bien deviné. Je veux dire que je lui ai pas demandé. On va voir. Elle va me dire, t'es une grosse conne, il fallait pas. Ah, par contre, Todd, il faut que je me souvienne qui c'est. Et alors avec Adam, ça se passe bien. Voilà, Adam, c'est le mec sur qui on était en kiff durant les anciens épisodes. Il te fait de l'œil. Zoé pense que oui. Vous êtes allé au cinéma avec... Zoé. Merde, mais parce que j'ai pas dit... Zoé n'arrête pas de me dire qu'il me fixe souvent, mais j'en ai vraiment pas l'impression. Tu remarques jamais ce genre de truc qui a fait confiance à Zoé. Attaque. J'ai pas confiance en Zoé. Les Zoé, on les connaît, genre dans Friendzone 3, non. Facile à dire, je n'attends que ça. Bon, je vais mettre ça, on va voir. Je n'attends que ça, d'ailleurs, quand est-ce que tu passes à l'attaque? Eh oh, c'est moi qui pose les questions ici. La meuf qui fait que ça. Mais c'est prévu, c'est juste que certains cas sont plus difficiles que d'autres. Elle a quelqu'un en tête? C'est qui ton amoureux? Madame a des vues sur un jeune homme. Je vais lui dire ça. Eh, ça se trouve, on marque Madame a des vues sur un jeune homme. Et là, on va se prendre le plus gros rect dans la gueule. Elle va marquer sur une jeune femme. Et là, rect plus ou moins. Voilà, j'étais sûre. Je ne vais pas te lâcher. T'as bien eu des cours d'éducation sexuelle à l'école. Je déconne. Bon, les discussions là, c'est un peu... J'aurais bien aimé voir ta tête. On va voir un peu la suite. On en reparlera peut-être, mais occupe-toi d'Adam d'abord. Vous sortez après le ciné? On va au bar, ça me regarde. Je vais marquer on va au bar. T'as la meuf, vous allez aux toilettes après? Parce que dis donc, saviez-vous que après avoir bu, il était obligé. Je connais quelques endroits branchants en ville si tu veux. Elle va dans des bars en ville à 15 ans. Je savais pas que tu sortais dans les bars. J'espère que tu prends des menthes à l'eau quand tu sors. Je vais lui marquer ça. C'est vrai qu'elle a 15 ans? Et Anna, c'est notre sœur, si je dis pas de conneries. Ça va, je suis plus une gamine. En plus, t'as pas trop de leçons à me donner. Ouais, c'est sa sœur. Je te rappelle que t'étais pas beaucoup plus vieille que moi quand tu sortais tout le temps en ville avec Jimmy. C'est vrai qu'avec Jimmy, on a parfois un peu exagéré à l'époque. Peut-être, mais ce n'était pas pour autant une bonne chose. Ok, mais je peux avoir confiance en toi pour ne pas faire de bêtises? Je vais lui marquer, mais c'était peut-être pas autant une bonne chose. Je vais lui marquer ça. Alors peut-être, mais ce n'est pas pour autant une bonne chose. Ce n'est pas parce que j'ai fait des bêtises que tu dois en faire. Ouais, mais si j'en fais, j'espère que tu seras compréhensive. Ah, le film va commencer. Ok, on la dégage. Désolé, il faut que je te laisse. Le film commence. Ah bon? Tu veux pas passer ta soirée sur ton téléphone? Ça va, tu peux textoter devant ton trailer, non? Ok, ok, je te laisse tranquille. Oh, la relou! Dégage! Maman te fait un bisou. Elle demande quand est-ce qu'Adam vient manger à la maison. Elle est relou! Elle lui a parlé d'Adam? Tu étales ma vie amoureuse, maman peut encore attendre un moment. Je veux dire, maman peut encore attendre un moment pour voir. Par contre, on regarde le film, là. Donc, à la limite, vos discussions de merde, fais un effort. Le film a commencé, je rappelle. On veut le rencontrer, nous aussi. Je vais lui mettre ça, ça sera très bien. Fin de l'histoire. Je rappelle qu'on a un petit cinéma, nous, à regarder. J'espère que tu vas regarder un bon film. Quelque chose va peut-être se passer après la séance, ça serait bien. On va voir ce que ça marque. Zoé. Ah, vendredi 10 mars dans le canapé. Coucou ma belle, merci pour l'invitation au ciné hier. C'est avec elle qu'on était hier au cinéma. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre une photo quand tu discutais avec Adam. Oh là là, une vraie paparade. Oh, je vais lui mettre ça. Ça emmerde pas la meuf. Hein. Je suis désolée d'être partie juste après le cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais ce que c'est quand les parents de Todd débarquent à l'improviste. Alors il s'est passé quoi ensuite? Vous deviez aller dans un bar, non? Un problème avec Jessica? Oula, trop de questions à la fois. Heureusement, Jessica n'était pas là. Oui, on est allé boire quelques verres.
J'ai marqué heureusement Jessica n'était pas là, parce que Jessica, on se rappelle, c'était la fille typiquement relou qui essayait de draguer Adam. Heureusement Jessica n'était pas là, elle aurait réussi à gâcher ma soirée, au moins j'ai pu profiter cette fois. Donc j'ai pris mon Cosmopolitan, comme d'habitude, j'ai commencé par un Virgin Mojito. On va le mettre avec son Mojito là, allez hop. Tu vas être contente. Ensuite, Adam et moi on s'est assis à côté, je me suis assise à côté de la meilleure amie d'Adam. Ah, trois petits points, donc c'est à côté, j'étais un peu timide. Okay. Intimidé, pardon. On va voir. Au moins, tu as osé aller t'asseoir à ses côtés. Et alors, il t'a fait du pied? Presque, nos jambes se frôlaient. Vous étiez assise à côté d'Adam. Choix bloqué. Parce que j'ai dit ça. Merde. Bon, hop. Mais attends, l'autre qui est trop en love, quoi. Presque, nos jambes se frôlaient un petit peu. J'étais pas bien. Si, c'est vraiment les débuts de flirt qui sont les plus excitants. Oh là là. Comme le dit Silly, la youtubeuse que je regarde. Silly Lily. Je suis en train de chercher si c'est pas en rapport avec une youtubeuse. Je sais pas. Le flirt, c'est comme la mayonnaise. Si ça ne prend pas au début, ça ne prendra jamais. C'est pourri comme phrase. Ne me dis pas que ça s'est arrêté là. La mayonnaise a pris. Kiera, tu vas te confronter à ton premier choix secret. Il te permet d'accéder à un contenu unique. J'ai marqué secret. On va voir. Les choix secrets sont rares. Ils offrent des discussions plus osées et débloquent des images dans la galerie. On va mettre, c'est intéressant. Alors, si vous entendez des bruits ambiants, parce que j'ai la fenêtre ouverte, du coup, qu'il y a des motos et tout. Ce premier choix secret est un avant-goût de ce qui peut t'attendre par la suite. À cette occasion, je te l'offre. Merci. Donnez-moi. Oui, elle est très bien prise. Choix secret. Expliquez en détail ce qui... Ah, moi, je veux... Oui. En détail. Je veux savoir ce qui s'est passé exactement. On veut des informations. Je suis partie danser, et là, devine qui s'approche. Jessica, attention, discussion typique de meuf. Attention, c'est parti. Non, pardon, continue avec Adam. Il a commencé à danser. Ah, il a commencé à me regarder danser, pardon. Vous n'étiez pas sorti prendre l'air. Ok. Il a commencé à me regarder, j'ai lu dans ses yeux l'envie de me rejoindre danser. Oula! Je lui ai fait signe de s'avancer, j'ai fait en sorte que ses yeux restent scotchés sur moi. Bah, je veux dire, je lui fais signe de s'avancer. La meuf, elle te sort des petites chorégraphies et tout. La souris s'est exécutée. On a dansé face à face. J'ai attrapé sa main et je l'ai posée sur ma hanche. Oh là. Moi, je suis pas repartie pour du house party. Ça, on avait... pour le moment, ça en pause. On a dansé face à face. On va mettre ça. Parce que l'autre... je sentais son odeur enivrer tout mon être. La chaleur de son corps réchauffait le mien. Oh là. Vous êtes sûr que c'est une danse, là? Ça avait l'air magique. Vous êtes sûr que c'est une danse? Parce que c'est un peu bizarre. Ne t'arrête pas, je veux des détails. La tension est montée d'un cran. J'avais l'impression que tout le monde nous observait. Moi, j'ai marqué, j'ai l'impression que tout le monde nous observait. Parce que l'autre... j'étais à la fois gênée et exaltée quand ses mains se sont mises à descendre petit à petit en me caressant le dos. Oh là. La musique allait se finir. J'allais sauter le pas. Ah, quand tout à coup... j'ai marqué... La musique allait se finir. Il m'a alors attrapé par le bras et m'a amené à l'extérieur. Nous nous sommes adossés contre un mur. On s'est assis sur un banc. On va mettre contre le mur. Hein. Attention. Un mur sous la lueur des étoiles. Je suis restée silencieuse. Il était particulièrement proche. On va mettre, il était particulièrement... En fait, c'est nous qui créons un peu le truc aussi, parce que soit... Il était particulièrement proche, suffisamment pour que je rougisse bêtement. Nos visages se sont rapprochés l'un de l'autre. J'ai posé ma tête sur son épaule. Ah bah si elle veut le pécho, allez c'est parti, hein, c'est le moment. Hein. Nos visages sont rapprochés, ses lèvres sont venues se poser sur les miennes. Eh la pécho! C'est bon la pécho! Eh bah dis donc, nouvelle photo débloquée dans la galerie. Sauf que je n'avais jamais vécu une sensation si forte. Et tu es rentrée avec lui alors? Sauf qu'en fait ce qu'elle oublie de dire c'est qu'il était totalement bourré, elle aussi, donc il s'en souvient plus. Malheureusement non, je ne suis pas ce genre de fille. Je marquais je ne suis pas ce genre de fille! Quand même. On va voir ce qu'elle va répondre. Yeah, on a débloqué un truc. Oh, tu sais, les princes charmants, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Il ne faut pas les laisser repartir. La soirée était magnifique, j'ai juste été surprise qu'il parte tout d'un coup. Il m'a laissé. De toute façon, je n'ai pas eu l'occasion de lui proposer. Je précisais ça. Ok, il s'est barré comme une merde, en fait. De toute façon, je n'ai pas eu l'occasion de lui proposer de rentrer. Il est parti sans rien dire. Oh, les smileys, genre dépression, quoi. Mais non, il est sérieux. Il doit y avoir une raison. Alors, on est en attente. Il a peut-être déjà une copine. Je pense que c'est autre chose. C'est peut-être ça.
J'ai marqué, je pense que c'est autre chose, parce que c'est vraiment un connard. S'il a une meuf, c'est vraiment un connard. Je pense que c'est autre chose, il avait l'air désolé en partant. Je suis sûre que tu n'y es pour rien. En fait, il dit pas que c'est Jessica, sa meuf. Tu penses que ça peut être lié à Jessica? Il préfère peut-être les garçons? T'es bête, Zoé, j'ai senti qu'il n'était pas indifférent. J'ai marqué, t'es bête. Parce que j'ai senti qu'il n'était pas indifférent, ça fait un petit peu, hein, s'il te plaît. Michel, merde. Alors, tu ne penses pas qu'il y a un truc louche, quand même? T'as tout pour toi, je comprends pas. C'est gentil, Zoé, j'espère encore qu'il va s'expliquer. J'ai marqué, c'est gentil. C'est vrai que c'est un petit peu louche. Le mec est avec la fille durant la soirée et il se taille comme ça. Non, vraiment, t'es sympa, joli, drôle, il veut quoi de plus? Tu veux passer à la maison? On peut se faire une soirée fille? Soirée film d'horreur avec des pop-corns? Pyjama, glace au yaourt et film rigolo? Non, moi je suis plus pyjama, pop-corn et film d'horreur. Ça va, t'inquiète. Un pot de glace serait bienvenu. Ouais, je lui dis un pot de glace serait bienvenu. Allez, hop. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de glace. Je suis en train de me dire... Oh, putain, vous savez ce que j'ai envie comme glace? Les pots d'Agendas. Les pots d'Agendas, putain. Dites-moi si vous connaissez ces glaces. C'est des putains de pots. C'est trop bon. On va s'en faire une orgie. Le congélo en est rempli. Eh ben, dis donc. Moi, ça va prendre du cul. Nouvelle notification. Oh, en haut à droite. J'avais pas vu. Jimmy. C'est qui, Jimmy? Et hier, j'ai croisé Anna cet après-midi en ville. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé se faire une pizza ensemble au Stanley. Anna n'avait pas cours cet après-midi. Qu'est-ce que t'en dis? Je crois même qu'il y a un quiz ce soir. On va peut-être gagner une tournée. C'est vrai, ça fait un moment qu'on n'a pas passé du temps ensemble. Bah, trop tard. Hein. Je veux dire, j'ai déjà... Ouais, j'ai déjà quelque chose de prévu. Trop tard, moi, j'ai proposé la soirée. Enfin, elle m'a proposé, je lui ai dit, ok, je vais pas aller me barrer, ça se fait pas. Pas de problème. Pas grave, on gagnera les places dans ta gueule. Mais il faut qu'on trouve un moment pour se voir bientôt, franchement, ça doit faire un mois alors qu'on habite à côté. Je crois que lui, il veut nous pécho. Promis, on se voit bientôt, je ne sais pas quand j'aurai du temps. Je marquais, promis, on se voit bientôt, voilà. On n'a pas plus d'informations pour le moment, de toute façon, donc j'ai envie de te dire, Michel. Un petit long, comme... Ah, parfait, si tu occupes et je ne t'embête pas plus longtemps, on se réécrit bientôt, alors ça me manque nos soirées ensemble. Continuez. La meuf, elle s'en bat les couilles, elle répond pas. Continuez. Partir. Bravo, tu vas bientôt. Nanana, on regarde une vidéo. Non, merci. On ne regarde pas de vidéo. Honnêtement, qui ira? Je ne pense pas qu'Adam t'ait embrassé sans raison. À mon avis, il doit cacher quelque chose. J'aimerais bien savoir quoi. Bon, il m'a brisé le cœur. Non, mais. My heart is broken. Alors, j'ai joué tout de suite. Allez, la meuf qui a trop besoin. Non, mais faut arrêter. Faut pas s'attacher comme ça non plus en deux secondes. Ça va trop vite dans le jeu, mais je crois que je l'avais dit justement que dans le jeu, je trouvais que ça allait trop vite. Il y avait des interactions des fois qui étaient un peu abusées, quoi. Enfin, abusées, non, mais c'est pas naturel, quoi. Il y a des trucs... Salut Killra, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une soirée entre filles comme ça. Répondre. Ça m'a fait du bien. Ok, donc là on est déjà le lendemain. Ça m'a fait du bien, je n'avais pas ri comme ça depuis longtemps. Bon bah... La prochaine fois, on se fait une soirée Orlando Bloom. Carrément, tu sais bien que c'est pas mon style de mec. Je veux dire carrément. Mais c'est pas trop mon... Il est beau, mais c'est pas trop mon style de mec. Hashtag Orlando épouse-moi. Oh là là. En parlant de beau gosse, comment va Jimmy? Il voulait qu'on sorte hier, aucune idée. Moi j'ai marqué il voulait qu'on sorte hier. C'est là où elle va me dire, mais t'es sérieuse là? Il voulait qu'on sorte hier, on se voit de moins en moins. Son travail à l'hôpital lui prend beaucoup de temps. C'est dommage, vous étiez vraiment séparables avant. Je me souviens de la soirée chez ses parents, il avait sauté du toit pour faire un salto dans la piscine. Todd avait essayé, il avait pris le plat de sa vie. Il voulait m'impressionner, c'était trop mignon. Ah, Todd, c'est son mec. Todd ferait n'importe quoi pour toi, Jimmy a toujours été sportif. Eh, on parie combien qu'il va y avoir une histoire avec Jimmy là? On parie combien? Oh, on n'est pas con, on n'est pas con. Je me demande s'il cherchait lui aussi à attirer l'attention d'une fille. Nouvelle notification. Anna. Maman ne se sentait pas bien, elle est allée se coucher. Ça m'inquiète, ça arrive de plus en plus souvent. Je sors, je vais rejoindre Cindy en ville. Laisse la porte ouverte ce soir, s'il te plaît. Prends tes clés, je serai là de toute façon. Je veux dire, prends tes clés au cas où. Prends tes clés, on ne laisse jamais la porte ouverte. J'ai plus de clés. Qu'est-ce qu'elle a foutu? Je les ai perdues hier. Ok, je vais faire ça parce que là, elle a relou. Par contre, après, ça serait bien de faire... Il n'y a pas mort d'homme. Non, on sait jamais. Attendez. Et si tu veux pas laisser la porte ouverte, bah je dormirai dehors. Ah, attends. Si t'es en ville, t'as le temps de passer m'acheter un moule à cake en forme de koala, s'il te plaît. Mais nous emmerde. Un moule en forme de koala, vraiment. T'es pas censé aller en ville. Je veux dire, t'es pas censé aller en ville. Se fout pas de ma gueule. Elle est en train de se foutre de ma gueule. Je le sens, elle est en train de se foutre de ma gueule. Si, si, mais je vais pas faire les magasins, là. Pourquoi t'as besoin de ça?
Et puis même trouver un moule à cake, ok. Mais en forme de koala, t'en trouves pas partout. C'est pour faire un gros gâteau, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, répondre, on va voir. Je vais refaire tes clés plutôt. Ok, je vais chercher ton moule. Ok, je vais lui chercher son moule de merde. Par contre, tu te débrouilleras pour les clés. Trop bien, merci. Oh la relou, qui a paumé ses clés. Puis tu laisses pas ta mère comme ça, enfermée. Enfin, pas enfermée justement. J'ai croisé Jimmy hier après-midi. Je sais, il me l'a dit. T'étais pas en cours. L'autre, elle est en train de tout rater là. Elle perd ses clés, elle rate les cours, elle prend un moule en forme de koala, ça part en couille. La prof d'anglais était pas là. Sans déconner, Jimmy, il est beau gosse. En plus, il est médecin. Eh ben, t'as qu'à sortir avec. Putain, je suis sur d'autres trucs, moi. Je comprends pas pourquoi tu l'as friendzoné depuis le collège. N'importe quoi. C'est un ami. C'est un ami, on se connaît depuis toujours, c'est différent. Si c'est pas du friendzonage. Enfin, du friendzonage. C'est dur à dire comme mot quand il y a trop de J, J, machin. Je sais pas ce qu'il te faut. Je suis sûre que c'est à cause d'Adam. Tu vois moins Jimmy parce que tu penses à lui. Tu lui envoies juste des petits SMS de complaisance pour le garder sous le coude. Tu pourrais mieux le traiter. Tu vas en rencard avec lui, tu te fais des films. Je marque que tu vas en rencard avec lui. Parce que la meuf, elle a l'air de vouloir le pécho, donc bon, on va voir ce qu'elle va répondre. Il est carrément trop vieux. C'est un papy pour moi. Putain, la connasse. Mince, mon bus. Toi et tes histoires d'amour, vous me mettez à la bourre. Nouvelle notification. Jessica. Bon, Adam, on n'en a pas. Tu passes me voir avant de partir. Mon Adam. Oups, mauvais destinataire. Elle est sérieuse. Grave. Je peux pas lui répondre n'importe quoi, c'est ma responsable. C'est ma responsable. Ah la pute. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je lui pète sa gueule. Je n'ai rien vu. Ce n'est pas très professionnel. Je marquais, j'ai rien vu. Mais je crois qu'elle nous parlait comme une merde. Hein, c'est bien. Oh. Adam part et j'ai envie de lui laisser un petit souvenir. Adam part. Mais de quoi elle parle? Comment ça, Adam part? Je vais marquer comment ça, il part. Tu comprendras vraiment un mot sur deux. Il part, il déménage. Mais c'est elle qui s'explique mal, cette conne. Il a posé sa démission la semaine dernière. Il m'en a pas parlé. Pourquoi? Bon, tu m'excuses, Minette, mais je n'étais pas venue te faire la discussion. J'ai un message à renvoyer. Oh, la connasse. C'est une sacrée connasse, celle-là. Hein, franchement. Non, merci. Je reviens pas. Je me demande vraiment si Jessica a menti ou si Adam part à l'étranger. Je n'ai pas envie qu'Adam parte. J'ai du mal à croire Jessica. Je veux dire que j'ai pas envie qu'il parte. C'est vraiment une connasse, celle-là. Tu verrais ce qu'il regarde, chapitre 7. Du coup, on va pas le faire maintenant, les copains. On va s'arrêter là pour le moment pour cette vidéo sur I Love Adam. J'espère entendre qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous voulez voir la suite. Sacrée connasse, la Jessica. Sacrée connasse. Je sais pas si elle a mytho ou pas. Je pense pas qu'elle est mytho. Ou elle a peut-être mytho. Je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez justement de ça dans les commentaires. Ce que vous pensez du jeu, de toute façon, je vous le liste dans la barre d'infos. Vous pouvez y accéder, il est disponible sur iOS et sur Android. Et du coup, pour Adam, bah, je pense qu'on fera ça la semaine prochaine. On va essayer de finir les chapitres. Je sais pas combien il y a de chapitres en tout. Attendez, je regarde. On n'a pas d'infos. Journal, paramètres, galerie. Journal. Ah, voilà. On a le nombre de chapitres. Oh, tous les chapitres. Bon, alors par contre... les chapitres au niveau des titres, c'est un petit peu spoil. Je t'aime, chapitre 32, épilogue, chapitre 33. Elle va l'enfermer dans un. Ça va être très long en fait de tout faire. Ok, donc ça va être très long. Donc on verra pour la fois prochaine, peut-être faire un format beaucoup plus long, faire du 50 minutes de vidéo pour ma part, enfin une heure, et tout condenser en fait pour avancer au maximum et tout condenser, je sais pas, moi, une vingtaine de minutes pour voir. Parce que j'aime bien que ces épisodes-là soient des formats courts. J'aime pas des formats... Enfin, j'aime pas ce type de vidéos-là en format trop long. De 50 minutes, j'aime pas trop ça. Je préfère faire des formats courts. Donc les copains, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir à me suivre sur les réseaux sociaux, comme Twitter, comme Snapchat, peu importe. Et ce soir, du coup, normalement, t'as une vidéo, je pense, qui va pop juste après. Là, pour vous annoncer que je serai en live sur vendredi 13 avec toute la clique, avec X et puis tous les copains. Vu qu'on sera vendredi 13, ça va être cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas live, c'est bon, la 4G de retour, donc on va pouvoir faire ça. Donc ça commence à partir de 21h, oui, toi, derrière ton écran, 21h, pas 21h30 cette fois-ci, on démarre dans la joie, dans la bonne humeur. Du coup, je vous dis à tout à l'heure pour le live, ciao.